Excusez-moi, monsieur, mettez les écouteurs. Qu'est-ce que c'est trop bon la vie d'artiste, t'as dit? Ouais, bah mets tes écouteurs. Sache que moi j'ai faim. D'accord. Maintenant je suis au courant. Est-ce que tu peux étendre ton volume? Cordial. Hi Angels, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer comment je vais coller ce bad boy et comment je vais faire une frange. Parce que là, en fait, je viens juste de déchirer mon tulle, si vous pouvez le voir. Du coup, j'ai un peu le seum. Et la seule façon de rattraper ça, c'est de faire une frange, je pense. Parce que comme ça, la frange, elle va tomber là. Là, je vais rabattre des cheveux ici. Et vas-y, ça va, c'est crème. Donc, de base, à la vidéo, je vais juste vous montrer comment je colle mes perruques. Parce que là, c'est pas collé. Mais au final, je vais vous montrer comment je colle et comment je vais couper ma frange. Donc... c'est parti. Je vais pas coller de ouf parce que je vais pas essayer de la coller que ça tienne des semaines. Je vais juste coller le temps de cette vidéo parce que demain je vais mettre une autre perruque. Donc flemme d'avoir la même tête tous les jours. C'est pour ça que c'est chic. Là j'ai pas. En fait c'est une perruque que j'ai reçue et j'ai même pas customisé, j'ai juste coupé le cul. Ce qui est bête de ma part parce que je pensais pas la porter. Je l'avais achetée pour faire. Enfin, c'est une perruque qui était dans le hall. J'achète des perruques sur Amazon. Donc celle-là, ça fait partie de cette perruque-là. C'est une perruque synthétique. Donc j'ai juste voulu couper le tulle pour voir si on pouvait faire quelque chose avec. Et j'ai pas eu le temps de la customiser. Et là, je vais essayer de la customiser en vite fait. Sachant que j'essayais de faire l'arrêt avant que. Je me fasse un geste sauvage et que ça m'enlève ici. Je vais juste la coller avec le spray Got To Be. On va pas trop se casser la tête parce que comme je vous ai dit, demain, je l'enlève. Donc je prends juste le spray Got To Be qui est presque fini d'ailleurs. Mettre le spray. Et j'aime bien coller avec le spray parce que le spray il sèche archi vite. Même pas besoin de... Comment ça s'appelle ? Même pas besoin de sèche-cheveux en fait. Tu mets ou si t'es trop impatiente. Si t'es trop impatiente comme moi, tu prends un bidule. Tu fais juste ça. Même si en soi, j'en ai pas vraiment besoin parce que ça sèche archi vite. J'ai essayé de coller partie par partie. Vraiment, ça c'est quand j'ai grave pas le temps que je fonctionne comme ça. Sinon, je prends un peu plus de temps pour mieux faire. Mais là. Je vais pas vous mentir que, sachant que je vais l'enlever, j'ai un peu la flemme de prendre mon temps pour bien tout coller, tout ça. Bah, je vais encore tirer comme un sauvage, ça va encore se tirer, je vais vous voyez mieux, non? Vu que j'ai envie de faire une queue de cheval après, vite. Ça devrait peut-être bien sécher le truc. Attendez, je vais sécher. Je vais chercher un sèche-cheveux au final, en fait. Donc là, c'est fini pour la colle en même pas 5 minutes. Surtout qu'avec le sèche-cheveux, ça va encore plus vite. Et maintenant, je viens juste tracer les raies pour pouvoir faire ma frange. J'espère que ça va passer très bien. Parce que là, vraiment. Au niveau de la bouche. Je crois que je vais faire comme ça. C'est
pull off on niggas so cheap and flex OD, sex OD. You got it, girl, you got it. You got it, girl, you got it. Yeah. Pretty little thing, you got a bag and now you got it. You just took it off the line, no mileage. Waiting on you to get fucking talking while you come around and out of silent. Through the coupe of 17, no bodies. You be staying low, but you know what the fight is. Ain't never got you, know it being modest. Popping shit, but only cause you know you popping. Yeah. You got it, girl, you got it. Là, je viens prendre de ce côté. Et en partant au niveau du nez. Alors, j'ai une idée là. J'ai débranché mon pain déjà. J'ai vu. Bon, je pense que je vais laisser ça comme ça. Je verrai entre temps s'il y a besoin de modifications, mais c'est plutôt pas mal, non? Yeah! So, this is the final look. I look kind of cute. I like it. Qu'est-ce que vous en pensez? Franchement, je trouve que c'est quand même pas mal. J'aurais pu d'être ça plus que ça. Mais là, I got no time. C'est-à-dire que là, j'ai pas bien travaillé le devant. Des deux côtés. J'aurais pu couper peut-être un tout petit peu plus long, genre que ça cache mes sourcils. Enfin, que ça cache mon mono-sourcil. Et sinon, ça va. Hein. Je trouve qu'avec la queue de cheval, ça passe encore mieux que si c'est totalement lâché. Donc, je valide en fait. Hein. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi dans les commentaires. J'espère que ça vous a peut-être aidé ou ça vous a inspiré. Franchement, je vous ai fait ça avec une perruque noire et une perruque blonde. Mais avec le rouge, ça donne un autre... Tu vois, avec un t-shirt noir, ça donne un autre vibe, genre. Donc, sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Je sais pas pourquoi je fais la bitch quand je dis ça, mais... Je suis toujours en train de... Bitch! En fait, c'est le mood. C'est cette nouvelle coupe là qui me fait me sentir fraîche du coup. Voilà, pourtant moi je suis toro. Oh. Bref, sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Oh. Je suis trop excitée aujourd'hui là. Allez, kissa. Kissa. Hey, y'a du
mouvement. Ah non, il y a du mouvement. Hé, balance. Pourquoi je suis super excitée aujourd'hui comme ça? C'est grave, hein? Allez, salut.